Allez. Voilà, exemple type. Client qui vient pour une petite fuite d'amortisseur. Amortisseur qui suinte et qui est un peu tout gras. Et en fait, je rappelle au client qu'un entretien, ça se fait tous les 50 heures. Donc c'est-à-dire environ 20-25 sorties de 2 heures, 2 heures et demie. Et là, je pense que le client, il a plus de 100 heures d'utilisation du vélo. Donc ça part en entretien 50 heures, fourche et amortisseur. J'ai le plaisir de vous dire que il met de l'huile de tronçonneuse sur sa chaîne. Voilà. Nos clients ont du talent. Bon, ça, apparemment c'est efficace. Mais putain, c'est gras. La chaîne elle est toute noire. Wow. La cassette, à la base, elle est chromée quand même. Allez, je vous retrouve après, ça va être un peu long. Je vais nettoyer toute cette transmission. Alors, qu'est-ce qu'il a ce petit amorto? Ça, il a pas l'air de fuir non plus des masses. Hein. Non, mais tu vas oublier d'aller enlever la GoPro pour aller aux chiottes. Je fais fourche à morceaux. Tu vas aller pisser dans l'allée, tu vas oublier de. Tu vas oublier d'enlever la GoPro, je te le dis. Bah ouais, ça va arriver, je pense. Après, je pourrais couper au montage quand même. La magie du montage. Tout n'est pas diffusé, hein, je vous rassure. C'est heureusement que c'est pas un live quand même. Mais t'imagines, ce sera en live. Ah, je pense qu'on se ferait bannir, je pense. Il durait une demi-heure. Toutes les conneries qu'on raconte. Ouais, tu vois, c'est bien réglé ça. Bien graissé. Il n'y a pas un peu de gras là-dedans. Il n'y a pas le petit joint. Ah, tu vois, ils y montent vraiment sans graisse quoi. Moi je mettrais peut-être un peu de Dynamic Seal là quand même. Putain, j'ai hâte de recevoir les outils Fox là que j'ai commandé. Celui-là il y a du boulot hein, je crois. Hein. Ouais, en plus. C'est des clients. Non, mais lui il sera pas prêt avant ce soir. C'est déjà 15h, il y a au moins 2h de taf dessus. Vous êtes bien menti, hein, c'est vrai, mais bon. Oh, j'aime pas, je vais utiliser les petits pics à joint, mais. Ah lui, le soleil, lui. Hein. Ouais, non, mais lui, c'est clair. Ça va te servir à quoi, honnêtement? Savoir. Mais surtout que tu peux. Les géométries des vélos, elles ont changé. Il y a une raison, quoi. Je veux dire, tu peux pas avoir tout le temps la même forme de vélo. Faut évoluer avec son temps, quoi. Alors, si on m'aurait dit. Si les enduristes réagissaient comme ça, par exemple, tu vois. On dirait, non, moi, je veux garder un Rich 460. J'avais un L en 460. Depuis le début, ça marche très bien. C'est pas possible, quoi. On te fait essayer un Rich en 485. J'ai fait, waouh. Je me rappelle, mon premier Vivo, je le trouvais super long, tu vois. J'ai la première sortie que j'ai fait avec, j'ai pas du tout aimé. Et puis en fait, je me suis habitué et puis c'était un des meilleurs vélos que j'ai eu, quoi. Tu veux pas l'aider à me durer le vélo, s'il te plaît? C'est lui qui avait amené la double page avec tous les problèmes, là. Puis il est en train de me durer tout le vélo, là.
salut, je suis le frère du mécano. La bousasse là-bas. 1003. C'est même pas le prix. C'est même pas le prix d'achat. Non, maintenant c'est le prix d'achat moins 300 euros parce que j'ai fait le site. Ah ouais. Hors taxe, il ne fait pas les taxes. Ouais, donc il va le déclarer en perte sur ce truc. Ouais, il va le déclarer en VODC. Oh, mais il a raison. Trop cool, mec. Polyvalent. Moi, ouais, je vais chercher pour ça. Hein. Ce croutillon. Putain, il veut pas passer en jambe négative, l'air là. Voilà. Petit entretien 50 heures. Il va piquer des hannetons celui-là. Juste un truc, ton frein arrière. T'es tes freins, je les ai purgés sans enlever les plaquettes, sans rien. T'sais, tu peux. Du coup ça veut dire que le liquide, la quantité de liquide à l'intérieur, elle est quand même bien élevée. Donc le jour où tu veux réécarcer tes pistons pour mettre des nouvelles plaquettes ou quoi, bah tu faudra ouvrir un peu le réservoir. C'est un coup à claquer ouais. Le piston ou quoi. Tu penseras ? Ouais. T'as pas y penser quoi. Ah oui d'accord. Ouais. Tu sais ce que je veux dire ? En gros il y a trop de quantité d'huile quoi. Ouais. C'est pas un connard ça. Après sur les hopes, ça va, la culasse elle est solide tu vois. C'est pas comme les Magura en carbo texture qui casse. Ouais. Ça nous est arrivé de regarder des pistons, il y avait trop d'huile, ça casse le levier. Le levier il fait BAM. T'entends un bruit qui pète. Et... Ah oui, je m'en souviens ça. Ah oui, pété. Voilà. Kogan Miyata. Ouais. Ouais, je vais faire des routes et je vais vous dire au revoir. Ok, là tu rentres à Lyon là. Ouais. Y'a pas de soucis. Ah. Je peux pas passer beaucoup de temps dessus. Là. Tu me paieras un kebab. Pas de soucis. Pourquoi ? En fait, t'as quand même un amortisseur, mais c'est vraiment la torsion du câble qui fait. Ouais, c'est un soft tail. Ah, c'est chelou comme truc. Oh. Je sais pas comment ça se fait, ça fatigue. Bah, regarde celui-là, c'est pareil. Ouais. Si ? T'as un point de pivot ici, un point de pivot là. C'est tout, du coup ça flex ici. Là il y a des petits freins de. Ah si, parce que regarde, là le point de pivot il est là, t'es en train de remonter tout le triangle. Là t'as un axe de rotation comme ça, donc forcément le triangle là il a tendance à vouloir aller vers l'avant. Donc là ça fait tordre un peu le carbone, mais vraiment que dalle. Mais ça joue sur la flexion du carbone. Ça s'appelle un soft tail. Ah là on arrête pas, truc de ouf. Bah tu sais, il a fait beau là, tous les gens ils font du vélo du coup. Ok, donc entretien 50 heures, fini. Je vais pouvoir lui remonter sa roue avec sa cassette toute propre. Oh, 150 PSI, c'est pas déconné. Je vais dévisser le corps de valve directement. Clé de 5 à bout plat. Là la fourche quoi,
sa biche. Ouais. Bah oui, c'est un compteur fourche à marteau quoi. Le vélo. Le gars, il a fait je crois combien de sorties déjà. Entretien 50 heures. T'arrêtes de parler des clients comme ça. N'importe quoi. Toi. Aïe aïe aïe, je te jure. Ouah mais que ça pisse comme ça là. C'est quoi ça? Hop, bien de butter. On a 15 cc de dynamique plush. L'année dernière, on se branlait les couilles à cette époque. On était sur YouTube toute la journée, on faisait des montages à la carte. Ah oui, c'est vrai, on faisait des montages à la carte. On faisait des vidéos, t'en rappelles ? J'étais grosse comme une baleine. J'étais grosse comme une baleine. T'étais enceinte quoi. J'étais à 2 mois d'accoucher, à 10 jours. Ah, Jeanne, elle va avoir 1 an déjà là. Elle va avoir 1 an, putain. Ça passe vite. Un an que ça galère à les nuits là, pas dormir. Non, j'ai eu des moments. Et après, en décembre, ça sera l'anniversaire du score. C'était en décembre que t'as eu ton score toi? Et ouais. Putain. Fin novembre. Putain. On parle d'un bébé, puis après on parle d'un vélo. Ah ouais. Why? On n'a pas arrêté. Je suis fatigué. J'ai juste envie d'aller bouffer mon riz au chocolat là. Oh la chance. Il est quelle heure là? 16h50. Ah putain. Il n'y a pas effet de graisse hein, dans les montages d'origine. Ok, finito, plastico. Entretien fourche à morteau. Hein? T'as dit Amorto Fantastico et ça rime avec Amorto. Finito, j'ai dit. Allez, finito, Fantastico, Amorto. Finito.